Wesh les gens, salut la populace, salut tout le monde, tout ce que vous voulez. Moi je vous dis bonjour, c'est ma marée de politesse. C'est GN. Des impros bien, il y a déjà les abus, il y a déjà les abus. Il commence, putain. Lui il a pas le taille. Voilà, tu connais la suite. Peace. Bon, je vais vous raconter les 5 trucs que j'aime pas. C'est parti. Je suis ainsi ma marée. Le premier truc que j'aime pas, c'est déjà mon téléphone. En fait, j'aime bien mon téléphone, tu vois. Mais quand il est avec moi, il marche correctement. Mais t'as vu, quand il y a quelqu'un d'autre qui veut l'utiliser. Non, quand il est avec toi, il marche pas correctement. Ah oui, merci beaucoup. En fait, le premier truc que j'aime pas, c'est mon téléphone. T'as vu, mon téléphone, je l'aime bien. Mais en vrai, je l'aime pas. C'est pourquoi? Parce que, genre, quand je l'utilise, c'est rien de rigoler. C'est un truc, c'est pas marrant. C'est vraiment pas marrant. Genre j'utilise tout ça, il bug archi fort. Mais quand il y a quelqu'un d'autre qui l'utilise, il marche correctement. Et ça j'aime pas. J'aime pas parce que moi je dis aux autres que mon téléphone il bug. Et quand il l'utilise, il dit non Jean-Luc ça bug pas, t'es bête, je sais pas. Bref, en tout cas ça j'aime pas, ça c'est le premier truc. Et il y en a d'autres qui vous comprendront. Deuxième truc que j'aime pas. Ou pas. Pardon. Deuxième truc que j'aime pas, c'est je vais direct aller dans le bus. Genre RATP, c'est pas mon meilleur ami, tu connais. Parce que j'ai pas toujours eu mon ticket, mon titre de transport. C'est la solidarité des gens dans le bus. Il y a un jour, je suis rentré dans le bus. En gros, c'est le TBM, bref, on s'en fout le nom du bus. Le bus, il était arrêté. Et moi, je voulais prendre le bus. Et je pensais qu'il allait démarrer parce qu'il était trop loin. Je cours. Et je cours, et quand j'arrive à côté du bus, le bus il démarre toujours pas. Du coup, je me suis dit, c'est bon, j'ai le bus. Je monte dans le bus, mais je monte devant. Et c'est pas habituel ça. Moi d'habitude, je monte derrière parce que j'ai pas mon ticket. Moi j'ai mon ticket, mais ce jour-là, j'avais pas mon ticket. Maintenant, je monte au début du bus, toutes les portes sont ouvertes. Quand je monte, je dis bonjour au chauffeur, tu vois, Emma, tout ça. Bonjour, merci de m'avoir entendu. Mais en fait, dans le bus, il attendait autre chose. Tac, je marche. Je marche le premier wagon parce que TVM en fait il y a ou 183 je sais plus, c'est long. Donc je passe la première partie, on va couper le bus en deux parties on va dire. Je passe la première partie, je vois les gens, ils me regardent, tout ça, moi je marche. Les gens sont tous installés, ils restent contre le mur, enfin contre les vitres et tout. Je marche normalement, tout ça. Première partie elle est passée, deuxième partie je passe. Bah toujours les gens ils me regardent, rien du tout, mais silence total au complet. Et le bus commence à démarrer. Et quand le bus commence à démarrer, il y a une arrêt qui passe et il y a une dame qui survient comme ça, elle vient devant moi. Bonjour monsieur, titre de transport s'il vous plaît. En gros, ce qui me choque là, c'est pas les contrôleurs, mais c'est vraiment que c'est que les gens qui m'ont vu passer depuis le début, la première partie, la deuxième partie, ils m'ont rien dit. Et ça, sérieux, les gens, j'aime pas, c'est pas bien ce que vous faites. Quand les contrôleurs, dites, ouais, il n'y a pas de contrôleur. Je sais que j'ai une tête, je suis ministre, tout ça, mais j'ai une tête, normalement, tu peux te dire, j'ai pas une tête à avoir un ticket. Donc, s'il te plaît, sois solidaire. Et ça, j'aime pas. Ça, c'était le deuxième truc. Troisième truc que j'aime pas, c'est ceux qui serrent la main. Alors, il y a des gens qui te serrent la main, on dirait qu'ils veulent jouer avec toi. Il y en a qui te serrent la main normalement, mais il y en a d'autres, ils touchent ton doigt, ils touchent trois doigts et genre, ils te regardent même pas dans les yeux. Ça, arrêtez. Sérieux, arrêtez. Parce que si on te dit bonjour, tu vois, respect. Tu dis bonjour, tu dis salut, tu vas bien et tout, ou wesh, bien ou quoi. Mais dans les yeux, c'est pas tu touches vite fait, on dirait t'as pas envie ou tu regardes pas. À la limite, fais un coucou, c'est mieux. Quatrième truc, genre j'aime pas les gens, j'écris comme ça, j'aime pas les gens, ils voient t'as mis de la crème comme si c'était obligé. Et y a des gens, hein, genre peut-être c'est le roman, peut-être c'est n'importe quelle couleur de peau, n'importe quelle couleur de peau. Y a des gens, genre ils voient un endroit, t'as pas mis de crème. Il t'insulte. Ouah, t'as pas mis de crème, Jean-Luc. Ouah, t'as pas mis de crème. Nanana. Mais frère, je suis pas obligé de mettre de la crème. Je vais pas mettre de la crème, je mets pas de crème. C'est quoi le problème? Arrêtez ça. C'est comme si aujourd'hui, je te dis, ouais, t'as pas fait tes lacets. Ouah, t'as pas fait tes lacets. Ouah, truc de ouf, truc du siècle. Sérieux, quand il y a un Rodin, il met pas de crème, c'est bon, toute la classe il le fait. Ou toute la populace il l'a fait. C'est pas comme ça. Mais bref, c'est la cinquième chose. Il y a des gens, ils posent des questions. T'as vu? Ouais. T'as faim? Tu dis oui.
Toi, tu dis, vas-y, je veux manger au McDo. Et la personne, elle dit, tu veux manger au McDo? Et ça m'énerve. Ouais, je me baigne. Ah, tu vas te baigner? Eh gros, si je te l'ai dit, pourquoi tu me répètes? On dirait que tu veux me remettre en question. Un jour, je parle avec Johanna à la foire, du trône, tout ça. Je vois une attraction et tout, je dis, ouais, je veux le faire. Elle fait, ah, tu veux le faire? Là, dans ma tête, je me dis, ouais, elle veut pas le faire, ou il y a un truc. Non, 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 elle voulait juste savoir si j'allais le faire. Mais je te l'ai dit, hein, si tu as des oreilles. Après, tu la redire. Mais quand tu la redire, tu t'es dire que j'allais dire. Ah ouais. Et là, le dernier truc que j'aime pas, et ça, c'est faudra s'y faire, les gens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, ils jugent de la première apparence. C'est pas parce que t'es. Sans connaître. C'est pas parce que tu réponds sec à tout que ça veut dire que t'es méchant. Ça veut pas dire non plus que tu dis oui à tout, que t'es gentil. Donnez pas des catégories aux gens. Par exemple, un rappeur, hein, peut-être que je vais vous donner l'exemple. Un rappeur, s'il rappe et demain il souhaite de chanter, laissez-le chanter. Il s'est dit que c'était un artiste. Arrêtez de mettre les gens dans des cases. S'il y a quelqu'un qui fait des choses qu'il n'a pas aimé, dites-lui. Mais dites pas aux autres que c'est quelqu'un de méchant. Voilà, parce que la vie, ça reste des personnes différentes. On a besoin de personnes différentes pour continuer et pour faire des rencontres. Voilà. Ciao! Moi je pars, je veux pas vous dire ce que vous devez faire. Non, sérieux, je vais vous dire. Sérieux, continuez à aimer nos vidéos. Merci à vous de regarder les vidéos. Continuez à liker, continuez à envoyer des commentaires. Et s'il vous plaît, envoyez plus de commentaires parce qu'on sait pas trop vos avis. Donc on a besoin un peu de vous pour promouvoir des trucs et tout et pour faire que la chaîne elle s'embellisse.